Donc bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc là, je sors du boulot. Donc vous allez peut-être pas me voir correctement, puisqu'il fait sombre et froid. Donc voilà, je vais rentrer. J'ai mon train à prendre en fait. Et avant, je vais essayer de prendre un petit truc à manger, donc on va voir. Bref, j'ai décidé de faire ce vlog là comme ça. On verra ce que ça va donner. Ça sera peut-être sur plusieurs jours, je pense. C'est pas je pense, c'est sûr, sûr. Ça sera sur plusieurs jours. Donc bref, c'est parti. Là, vous voyez, je sais pas si là vous voyez, mais genre il neige. Magnifique. Je pense pas que vous allez voir correctement. Donc là, je suis bien entrée dans mon train. Et là, je crois que vous pouvez voir, il neige beaucoup, 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 beaucoup. Un truc de ouf. Enfin bref, je suis passée en fait à McDo. Je me suis pris un café pour pas dormir pendant le trajet, parce que j'ai un trajet d'une heure en fait. Donc c'est assez long. Enfin bon. Bah, moi, je vous reprends bah, quand je serai rentrée à la maison, quoi. Bah là vous pouvez voir là. Oui. Là, tu me réchauffes. Et moi, j'ai froid. Oh. J'ai vu que j'avais un colis. Petit colis Amazon. Hein. Bon. Je vais l'ouvrir après. J'ai juste pris des nuggets et des petites frites pour manger vite fait. De toute façon. Et qui est là? Attention. Voilà. Le voici, le voilà. Qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'il vient. Je vais réchauffer ça et je vais monter pour ouvrir aussi mes colis. Je viens d'arriver. Donc il est... 21h49, 21h50. Voilà, 21h50. J'ai fini à 7h et j'arrive à cette heure-ci. Donc, comme je vais m'ouvrir, j'avais un petit colis, donc je vais faire un petit unboxing. Et en même temps, en fait, je vais manger. Parce que, comment dire, que j'ai un petit colis. Pour les cas, je vais peut-être mettre cette lumière. Ouh. La lumière et la lumière fut. Bon, il y a un côté sombre, mais c'est bon, je vais pas allumer l'autre. Hein. Donc, petit nugget. Comment vous dire, la journée était longue. Hein. Voilà. Je travaille en 12 heures, donc c'est assez long, tout fatigant. Donc, à chaque fois, je rentre tard. Je pars tôt et en fait toute la journée. En gros, je suis pas là toute la journée, c'est tout. Bon,
Donc là, on a un adaptateur parce qu'en fait, j'avais commandé un brûleur. Et le brûleur, normalement, je vais le recevoir vendredi. Et le fil du brûleur, il n'est pas adapté en France. En fait, c'est anglais. Donc j'en ai supprimé un. Donc de toute façon, je me dis, bon, ça va toujours quand même me servir si je pars à Londres et tout, enfin, ou en Europe, bref. C'est trois mangas donc de Inyo Asano. Des mangas que je voulais trop. Donc on a La fin du monde avant le lever du jour, donc c'est chez Kana. Et je me suis pris toujours, enfin en fait c'est trois, hein. Le tome 1 de A What Wonderful World. Voilà, je me suis pris celui-là. J'adore. Et l'autre que j'ai pris, donc c'est le quartier de la lumière. Voilà. Oh, j'aime bien celui-là, c'est pas le même. Les autres, ils avaient un petit truc mat. Et lui, en fait, bah, vous voyez, il est brillant. Il a une petite couverture brillante. J'adore. J'ai toujours un objectif 30 euros d'achat livre. Je suis toujours. Donc là, en fait, vu qu'on est le 30 novembre, ben, le 1er décembre, je vais m'acheter. Non, plutôt me précommander deux livres. Et voir si je peux trouver un autre livre, en fait, en occasion, pour que ça me passe au moins 30 euros pour le voir. Pour l'instant, je respecte ce budget. Donc ça va. Je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Je vais vous laisser. Et puis, je vous reprends demain. Donc, donc on est le 1er décembre et il est 15h05. Donc je me suis réveillée genre il y a 1 heure. Je me suis réveillée, il était 2h. Après je suis restée un bon moment sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube pour regarder de nouvelles vidéos, etc. Et en fin de compte, ben, j'attendais mon brûleur et ben, en fait je l'ai reçu tout cassé. Donc j'étais trop dégoûtée. J'ai essayé de me le recommander et tout plus tard. Donc voilà. Donc là en fait je vais mettre en ligne. Une vidéo point lecture. Voilà. Donc elle va être mise en ligne le 1er décembre. Je vais faire une commande en fait de livres. Donc là c'est sur ma liste d'envie d'Amazon, hein. Mais moi je vais m'acheter des livres en fait. Donc il y a celui-là que j'aimerais avoir. Donc 16,90 €. Il faut savoir que j'ai un budget de 30 euros. Donc voilà. Je vais me prendre celui-là. Tic. Donc, et voilà, avec celui-là, 8,70. Donc, on va l'ajouter au panier. Cling. Voilà, on va voir ça me fait combien. Ça me fait un total de 25,60 €. Donc, en fait, le temps que ça se mette en ligne, le point lecture là, ben, je vais aller regarder d'autres vidéos YouTube, enfin mes abonnements. Donc là, ça avance déjà bien. Dans 49 minutes, la vidéo sera en ligne. Je voulais vous montrer aussi quelques vidéos qui sont déjà faites. Il y a 4 minutes, voilà. 24 minutes 56, sachant que j'en ai reçu hier du manga, donc il faut que je les rajoute. Voilà, et un autre lecture manga qui dure 20 minutes. Donc je vous reprends le samedi 2 décembre, donc oui. Je vous reprends maintenant parce que en fait j'ai complètement zappé de vlogger en fait simplement. Et là je suis dans mon cellier. Donc là je vais me faire quelque chose, un petit truc à manger. J'avais commandé un brûleur en fait, il est arrivé cassé. Donc je vais le renvoyer, ils vont me rembourser. Et encore là je sais pas quand est-ce que je vais suivant en acheter un autre ou pas. Donc bref, ça m'a un petit peu coupé l'envie. En plus que là c'est genre les périodes de fête et tout, donc les livraisons c'est pas trop ça quoi. En gros c'est une commande que j'ai faite en fait, que j'ai déjà montré sur Instagram, et en fait ce sont des mangas que j'ai commandés. Donc je crois que dans la vidéo précédente, je crois que je vous ai montré les deux livres que j'avais commandés. Voilà, normalement il y a un autre livre que j'aimerais bien avoir, mais bon, on va voir ça, hein, si c'est moi qui l'achète ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc moi je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ben, en fait ce qu'il y a dans les colis. J'aime
changer la disposition de la bibliothèque. Je sais pas si vous préférez comme ça ou en rainbow. J'aimais bien, mais en fait, ça me saoulait parce que ça, je voyais que ça dépassait tout le temps là. Donc voilà, je compte en fait changer, je pense, là et là. Mettre cela là et ça là, ce que j'aime trop, mais il commence par un normal. Et là, en fait, j'ai mis une moitié VO. Enfin, c'est plus nu adulte romance ici. Donc voilà. Je filme pas avec ma caméra parce qu'elle est genre hyper. Mon appareil photo, il est genre hyper lourd, donc c'est trop lourd pour moi. Donc je filme avec mon Samsung. Alors, pour filmer ma vidéo, le tutoriel, MDR. Non, en fait, c'est sur mon bureau. Là, je prends mon trépied qui est ici. Donc, je vais le disposer là. Donc, ça, vous n'allez pas le voir, mais je vous montre après. Donc, bien sûr, l'appareil photo. Je vérifie toujours si, parce que des fois, j'oublie de l'enlever en fait la carte SD. Faut que je regarde, ouais, si la batterie, il y a de la batterie. Ben voilà, par exemple, grand parapluie de lumière. Donc j'en ai deux. Je pose toujours les livres que je veux lire, que je veux présenter, je les mets là. Et quand j'ai terminé, en fait, quand j'ai je vais présenter celui-là. Quand j'ai terminé, je le mets là. Et c'est là la plupart du temps où les livres tombent. Je vois si c'est bien cadré en fait. Donc, alors ensuite, je me suis acheté donc le cinquième tome. Je viens de conclure la vidéo là de. Donc là, ça sera un achat manga. Aujourd'hui, j'ai filmé qu'une vidéo. D'habitude, je filme plusieurs vidéos à la fois. Mais vu qu'il y a quand même des. Il y a mon entourage qui est là, donc voilà. En plus, il y a déménagement, tout, mon petit frère, bref. Voilà. Lui qui sont un peu derrière, à côté, en bas, bref, voilà. Mais voilà, donc j'ai terminé et voilà. Donc maintenant que je range en fait tout ça. Mais avant, je vais faire des petites Insta stories. Bon, alors voilà. À chaque fois, je me place là pour faire mes trucs Instagram. Là. On va ouvrir. Donc. Comme ça. Un manga, je vais le mettre là. Hop. Là, ben on va faire en instant stan un en même temps. Donc là, je pense que là c'est bon, vous allez voir. Et voilà, donc c'est parti. Donc coucou Instagram, je vais juste vous présenter trois réceptions que j'ai reçues. Donc j'ai eu un gros colis, enfin j'ai reçu un gros colis. Et je vais juste vous montrer trois réceptions que j'ai eues. Et puis ben, je vous montrerai la suite dans une prochaine vidéo qui va arriver. Donc voilà, ensuite là je fais envoyer et votre story, ben, voilà, et partager. Voilà, j'y vais. Je vais switcher en fait avec, vous allez voir, ça va switcher entre ma caméra, voilà, mon appareil photo et mon portable. Donc voilà, voilà. Ah oui, je vous avais dit dans les lectures où j'en étais en fait, donc je vais vous montrer ça. Excusez-moi, mais je vais la mettre comme ça, la caméra. Donc en fait, bah, j'ai fait une pause en fait dans les mangas, enfin une pause, c'est-à-dire peut-être 2-3 jours. J'étais censée lire quelques mangas et puis le travail est arrivé, la fatigue, j'avais d'autres choses à faire donc. Voilà, j'ai pas clairement lu de manga, mais voilà ce que je vais lire en fait bientôt. Enfin, ce week-end, je vais essayer de lire ça. Je vais lire ce week-end, je disais censé le lire il y a une semaine, mais
quand on travaille, bon, on n'a pas trop le temps. Et niveau livre, en fait, bah, je l'ai oublié. Voilà. Bah, attendez, je vais le chercher tout de suite. Hein, parce que voilà quoi. Désolée pour ces petits désagréments. Alors, pour le livre, je suis en train de lire La mémoire de Babel. Donc, c'est le tome 3 du passe-miroir. Donc, je suis à la page 210. Donc, je suis à là. J'avance doucement, mais sûrement, hein, puisque quand je travaille, moi je travaille en fait en 12 heures, donc j'ai 3 heures, on va dire, d'aller-retour de transport, donc je lis pendant ce temps-là. Et après, ben, en 12 heures, je lis pas, hein. Même si je suis en pause, moi je suis en pause, je dors, parce que je suis fatiguée. Donc voilà, je suis en train de lire ça, et franchement, j'aime beaucoup. Bon, c'est toujours aussi lent, mais j'adore cet univers en fait. Je trouve que c'est un livre qui pourrait être très très bien adapté en série TV, en téléfilm. Franchement, je trouve ça, ou en film, hein, tout simplement. Il a l'air vraiment génial, celui-là. Donc voilà où j'en suis pour mes lectures. Donc je ne sais pas si je vais vous reprendre tout de suite, si j'ai quelque chose à vous montrer plus tard ou pas. Là, il est 6h. Voilà, 6h. Donc à 6h, je vais regarder des trucs sur YouTube. J'ai encore me perdre sur YouTube, comme d'habitude. J'avais fait un petit concours, j'avais mis en ligne, enfin sur Instagram, un concours avec en fait ces merde avec ces deux mangas là à gagner et un livre. Donc il y a 3 lots à gagner. Donc il se finit le 3 décembre. Sur Instagram, je fais des lives parce que sur YouTube en fait j'ai un peu plus de mal à faire des lives, c'est un peu plus compliqué. Franchement, je trouve ça. Il y a trop de manipulations à faire, alors que sur Instagram, c'est vraiment instantané en fait. C'est des lives de 1 heure. Mais ouais, franchement, j'aime bien faire des lives, même si on n'est que 2 ou 3 à parler ensemble, mais c'est vraiment génial quoi en fait. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter une vidéo. Donc c'est parti. Bon, moi, je vais continuer à... fait un petit montage, mais je crois que ma mère m'appelle, donc je crois qu'elle a elle m'a ramené les courses. Oui, j'ai la flemme, je demande à ma mère qu'on me ramène les courses. Oui, je sais, j'exagère, j'abuse, mais comment vous dire que j'ai la flemme, une flemme de malade. Bon, je viens de descendre récupérer je viens de récupérer mes trucs que ma mère m'a ramené. Alors là, je vais manger McDo. Donc là juste nuggets et frites. Voilà, je vais manger des cochonneries bien sûr. Et puis je me dis pourquoi pas faire un petit haut de ce que j'ai acheté. Bon alors j'ai piqué quelques mandarines là. J'en ai pris 4. Alors après il y a de la crème anglaise. C'est pas pour moi en fait. C'est pour mon petit frère. Mais vu que j'ai un petit frigo là, je vais mettre cette crème anglaise dedans parce que. Si on le met en fait en bas, dans le grand frigo en fait familial, on va dire, bah il n'y en aura plus quoi. Donc ça fait, en fait c'est voilà, c'est arrivé le premier servi quoi. Donc il faut un petit peu, on va dire, cacher les choses. Donc voilà. Ensuite on a pris ça. Est-ce que j'adore ça? Je mange ça, j'adore trop manger ça aux chèvres. Plusieurs. Il y en a 2. Donc ça c'est aux frais. Donc, je mettrai ça aux frais tout à l'heure. Du beurre, bon, je dis pourquoi il y a du beurre dans ta chambre, Coralie? Ben, c'est la même truc que ça, quoi, en gros, parce que je les garde en fait pour mon petit frère dans le frigo, comme ça, parce que lui il va déménager. Et ben, en attendant, avant qu'on prenne toutes ses affaires, ben, il préfère que je les garde dans ma chambre parce qu'on sait que personne rentre dans ma chambre, quoi. Donc, voilà pour la petite histoire. Ensuite, j'ai pris des petites nouilles. Cette année au poulet, voilà, parce que je suis une grosse flemmarde. Des petits chaussons pommes que je mange en 2 secondes, bien sûr. J'ai reçu un message, c'est de qui? Merde, ah, le chronopost. Bon, chronopost, je le verrai après. Donc voilà, que je mange le matin, la nuit, bref. Ensuite, j'ai pris ça. Un petit thé noir pied blanche que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est moins sucré que les autres, je trouve. Après, je sais pas si c'est moi. Des petits cafés latte
parce que j'aime bien prendre ça des fois. Genre, je prends soit café latte, soit caramel macchiato, soit Nelsonnet, noisette, je sais pas quoi. C'est frais, en fait, c'est frais. Donc, heureusement que j'ai un petit frigo. Hein. Ensuite, des petits babybel. Parce que j'aime bien manger ça comme ça, grignoter. Oui, je mange très très mal. Vous aurez pu le voir. Ensuite, des petits colas champagne. Donc, avis à la population antillaise. J'adore ça. J'adore. Donc, moi, si je peux prendre des petites canettes cola champagne, c'est trop bon. Enfin, c'est un peu comme du coca, mais c'est un petit peu plus. Il y a un petit goût en plus qui est trop bon, en fait. Donc voilà, soit je prends cola champagne, soit je prends, comment ça s'appelle, l'ordinaire, voilà, j'aime trop. Enfin, ça, tout ça, c'est des trucs qui viennent des Antilles. Hein. J'en ai pris plusieurs de cola champagne. Des bonbons arlequin, voilà, pour grignoter parce que, voilà, pour me grignoter. Et pour finir, des bonbons bananes, voilà. Et puis là, vous voyez, là, il y a encore cola champagne. Donc voilà, et je me suis dit, tiens, pour faire un petit haul, on va faire comme les grands youtubeurs. Alors voilà, moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je pense que ça va être quand même un vlog assez long, peut-être de 15-20 minutes. On va voir au coupage, au montage. Moi, je vais continuer à faire mes montages de mes achats avant-garde. En même temps, manger mon petit McDo. Et puis ranger tout ce qui est frais là au frigo. Et puis continuer à chiller sur YouTube. Sur regarder des dramas, regarder des séries américaines. Et lire bien sûr, lire. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire des vlogs plus souvent. Je crois que c'est un vlog sur, on va dire, 2 jours et demi, 3 jours. Il n'y avait rien d'exceptionnel, je ne suis pas sortie. Voilà, c'est vraiment un vlog à la maison. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais aller au Primark de Val d'Europe parce que j'en entends beaucoup parler. Et je pense que je vloguerai à ce moment-là. De toute façon, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux. Enfin bref, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!